Coucou tout le monde, nous voici partis sur le deuxième épisode de la présentation de Distrust et on va finir cette map et au moins la suivante pour la présentation. Alors, donc si vous vous rappelez bien, on a fini la première zone, on vient d'arriver ici, on est dans une petite zone je trouve, en tout cas comparé au reste. On a un laboratoire, on a un endroit avec de l'électricité, comme je vous ai dit, on va probablement devoir choper des câbles là. Là je ne sais pas trop encore ce qui m'attend, on a deux maisons et deux... dormoir. Ok, alors première chose à faire, on va déjà fouiller un petit peu ce qu'il y a ici. Donc tu y vas, on prend la fille. Et également j'ai vu que vous avez vu l'œil. Et apparemment j'ai raté un petit quelque chose. Il y a apparemment une jaquette que j'ai chopée. Ah oui, bah tiens, même deux. Et que l'on va pouvoir donner au gars pour le protéger du froid. Donc c'est parfait, on continue. Alors on entend quelqu'un qui rigole. On ne voit rien de particulier, enfin de spécial. Est-ce que notre esprit nous joue des tours? Alors, on va se concentrer et on va regarder ce qu'il y a autour. Regardons, donc là, il va y avoir à lancer. Est-ce que je vais avoir un effet positif ou négatif? Apparemment... Apparemment, il y a eu un gros effet négatif. Ok. Génial. Donc, apparemment, elle va devenir folle si ça continue. Je sais pas trop comment la régler. Ah, il y a peut-être ça à utiliser? Non, elle a trouvé. Ça va rester un certain temps ou... Donc là, ça peut virer des maladies. Elle a pas l'air d'être malade, vraiment. On va attendre un peu, parce que je sais pas comment le virer. Et ouais, ça va également m'énerver, cette petite chose. le bruit du rire. Excusez-moi, quelqu'un sonnait chez moi, j'ai dû m'éloigner de l'ordinateur. Alors, tu vas fouiller. On est parti, on a des médicaments, je sais pas ce qu'il faut la faire dormir ou quoi avec elle pour récupérer ça. J'espère juste que ça va pas durer trop longtemps. Ok, médicaments, premier soin. Ouh, si j'amène de la poudre stérilisante et des vieilles pilules, je peux apparemment... faire des médicaments, mais j'ai pas de vieille pilule. Ok, d'accord, je pensais que j'en avais pas chopé dans l'endroit d'avant. M'étonne. Alors. Comme promis, voici un résumé de toutes les portes de secours qui ont été ouvertes le mois dernier. Trois ont été ouvertes avec un petit bidule, un lockpick. Six ont été ouvertes de force. Une n'a plus de serrure après qu'on lui ait tiré dessus. Quatre portes ont été dépassées en creusant en dessous. D'accord. Bah dis donc les gars, vos portes elles sont pas trop efficaces. Bon, alors, je suis vraiment surpris que je n'ai pas de vieille pilule. J'étais persuadé d'en avoir. Bon bah ok. Alors elle est encore en train de bosser là-haut. Là, il y a un objet alien. Ouh, ok, elle est tombée malade. Eh, mais c'est affreux. Elle est empoisonnée. On va lui donner les médicaments, on va voir. En espérant que ça règle ça également. Ça lui a viré le poison, mais il y a toujours le problème de sanité. Comment je le vire ça? Adrénaline, non, c'est peut-être pas ça. Peut-être faut la faire dormir, ça serait la chose. Ok, bon. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à fouiller par là? Ici. Et toi, bah du coup, tu vas aller... où est-ce que je vais t'envoyer? Tu vas aller au laboratoire, on peut rien faire d'autre. Ah là j'ai qui en main? J'ai le gars va aller là-haut et la fille on va l'envoyer là-bas. Avec un peu de chance. Ah. Voilà. Ils n'auraient pas pu trouver un son plus énervant. Tu vas l'ouvrir rapidement. Lui. Et on a la zone suivante qui est là. Ah, on a cassé l'outil, zut. Est-ce
Est-ce que t'as pu ouvrir la porte? T'as pas pu ouvrir la porte. Bon. Non, ça c'est trop long, c'est trop, juste trop lent, pas grave. T'es dans le froid et tout. Tu commences avec ça. Et toi, il nous faut bien un câble électrique. Donc toi, tu vas venir là. Ici. Allez, vas-y, ouvre la porte, ouvre la porte. Génial. Alors, on va devoir la faire dormir. Lui a besoin également de dormir. Tu vas y aller avec toi. J'espère qu'il va pas casser avant. À Bouka. Ok, donc un rapport médical. Alors, le panneau électrique. Va-t'en, on va trouver le lit. C'est fermé. Ici. Alors, qu'est-ce qu'il me disait? Zut, elle a perdu son outil. On va devoir couper les switches pour l'énergie. Bon, bah, tu vas devoir y aller. Bon, on a encore un autre, bah, dis donc, vas-y. Et donc, on peut pas l'ouvrir, là, parce qu'on n'a pas les bons outils. Donc, on va devoir le trouver. Alors, on doit couper le switch pour l'électricité avant. Ok. Alors, il doit y en avoir un par là. Non. On va mettre un peu de carburant pour relancer. Toi, t'as ouvert la porte, tu vas dormir. Parce que tu deviens folle. On a mis du carburant, on a rallumé. Le switch électrique est là. On coupe le panneau. Je sais même pas si j'ai vraiment besoin de le faire, mais bon, on va mettre des carburants là. Là, on repart. J'ai pas ce qu'il me faut. Ok. Donc toi, tu vas venir là. Ouh, ça y est. Les bestioles sont déjà là. Bon, bah, vu qu'elles sont là, bah, vous allez finir de dormir. Hein. Elles sont déjà là. Donc, on va devoir trouver d'autres outils. Heureusement que la zone est petite. Ok. Yes, c'est bon. Ah, elle. Elle peut se réveiller. Elle va devoir manger. Ça, ça a été cuit. Vas-y. Elle est toujours folle et j'arrive toujours pas à régler son état. Voilà. Ouh, il y en a une autre qui est apparue. Alors, on va te donner à manger. Voilà. On va devoir mettre de l'énergie dans le générateur. Il y a une fenêtre ouverte ou quoi? Ils ont pas froid, c'est juste qu'ils ont peur. Ok. J'ai remis de l'électricité pour pouvoir maintenir le générateur allumé. On va fouiller là-bas. Elle. Tu as obtenu. Alors. Ah, là, il nous parle du gars qui est glacé, qui vient absorber l'énergie et tout ça. Ok. Tu vas essayer d'ouvrir. Tu vas fouiller là-bas. Il nous reste combien? Ah, l'outil, c'est notre dernier. L'outil pour ouvrir les portes. Alors, c'est juste un bouquin, il n'y en a pas besoin. Toi. Ouh, une meilleure jacket. Alors, on va donner à toi, qui devient folle. Ok, ok, je suis beau. Du coup, on va devoir courir ici. J'espère que la porte est ouverte. Non, toi. Je vais courir. Et toi, je vais voir, j'ai chopé des nouvelles choses. Je pense pas que ça va suffire, mais on va quand même tenter d'aller là-bas. Ah non, je l'ai pas. Ok. Donc, du coup, tu vas là-bas.
Oui, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ce bruit énervant. On va dedans. Vite, faut allumer la lumière pour se protéger. Viens la neige. Ok, on a rallumé la lumière ici, on est protégé des monstres. Alors toi, oh purée, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je laisse finir? Non, je crois pas que c'est une bonne idée. Fuis, 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 fuis. Est-ce que un café chaud va faire l'affaire? Ok, c'est bon. Continue. Et tu recommences pas de zéro, non, tu recommences pas de zéro. Alors elle, tu vas nous ouvrir. Non, tu peux pas. Tu vas là-bas. Ouh, heureusement qu'il est parti. Ça devient plus compliqué là. Hein. J'ai besoin de mettre la lumière. Et vite. Donc j'ignore un peu la fille. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Ah, ça, là-bas, il y a quelque chose de bon. Zut, il a cassé l'outil. Et j'en ai plus. Bah, tu vas devoir y aller à l'ancienne. Avec la... Ah, yes, on a ce qu'il nous faut. On a ce qu'il nous faut. Mais avant de partir, on ramasse le reste. Parce que là, on est vraiment dans une situation difficile. Il va avoir besoin de tout ce qu'il faut. Ah, elle a été blessée. Est-ce que j'ai un bandage? Ouais, j'ai un bandage. Hop. Purée, j'ai eu le pire effet. Ce truc incroyable. Bon, toi, t'en es où? Il n'y a plus. Bah, apparemment, il n'y a pas de monstre vers là, donc ils viennent pas jusque là. Ou alors le gars, il est reparti. Donc je vais pas prendre mon temps et pas gâcher du carburant. Par contre, sans lumière, on se déplace lentement. Là, y'a rien. Encore? On va faire 100, hein, tant pis. Ouh, elle a cassé. Elle a cassé. Pas grave. Du coup, toi, tu vas aller là-bas. Et tu vas aller là. Et elle... Elle a plus d'outils. Est-ce qu'elle peut rentrer, au moins? Ouais, on a pu nettoyer. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Nourriture pourrie. Il y a encore quelque chose là-bas. Je sais pas c'est quoi. Ok. Du coup, tu vas couper. Elle. Allez, trouve-nous du bois avec ça. Là, il y a bientôt plus de bois. Ça, c'est fait. Maintenant, tu vas monter là-bas et tu devrais pouvoir... Ouais, tu devrais pouvoir régler. Alors, on y va tous et on va passer à la zone suivante parce que là, il n'y a plus grand-chose. Elle est en route et je sais vraiment pas comment gérer ça. La seule chose qui peut régler est une sieste longue. Ok, mais tiens, tu vas faire une sieste longue. Et toi, tu vas réparer. Alors. Ne fais pas attention à tes peurs, tu es troublé. Yes, c'est bon. Continue. Et on va le laisser. Et lui, quand t'auras fini, je vais te faire repartir là-bas. On va attendre, tu vas devoir te réchauffer, tu vas devoir manger, toutes ces choses. L'eau, il y a elle. Est-ce que... On est bon. Ah, coup de chauffage. Voilà, tu vas venir là. Et tu vas nous rajouter des choses. C'est toi qu'on doit utiliser pour. Elle est toujours folle. Elle est plus folle. Ok. T'arrêtes de dormir. Tu vas rajouter deux planches.
qui va nous choper du bois que l'on va perdre maintenant parce qu'on va partir, mais une fois qu'on est enfin hein, en bon état, et on a des choses apparemment que j'ai pas pu ramasser là. Ok, on va là-bas. Apparemment on n'a pas attiré d'autres aliens. On a des cigarettes, si ça leur dit, t'as rien besoin de particulier. Le chauffage est reparti, tu vas manger quelque chose. Ouh, ça c'est pourri. Ah, ça, on pourrait en faire. On en a enfin. Ok, protéines. Et elle, je vais l'envoyer au laboratoire. Il va falloir faire gaffe qu'il n'y ait pas d'aliens. Lui, il a mangé. Mais c'est pas suffisant. Tu vois ça? Un piège. Un piège pour les aliens. Génial. On va faire les médicaments de bonne qualité. Ah, il me faut au moins un peu de... Je peux pas le faire sans carburant, c'était ici je crois, on va voir. Ah non, c'est bon, ok. Ah, il me manque de la poudre. J'ai pas la poudre, zut. Bon, pas grave, bah du coup on va partir. La porte est là. On est parti. Il a encore un petit peu faim le gars, mais bon. Hein. Elle, est-ce qu'elle a faim? Elle a pas faim, je pourrais lui donner la dernière saucisse. Pendant qu'il attend la gonzesse. Hop. Et voilà. C'est pas un gentleman, hein. Il a mangé trois fois, elle n'a rien eu à manger pour le moment. Enfin, une fois, mais pas dans l'épisode là. Bon. On part, non, on veut pas rester. Donc là, on avait une petite map, rien de bien dangereux. Et on passe à la suivante. Alors, un objet alien. La dernière fois, ça fait un peu avoir, mais on tente. Ok. Il a plus faim. Oh, j'aurais dû attendre. La dernière fois, ça nous avait redonné de la chaleur. Une fois, ça nous a fait tomber malade. Et la fois suivante, cette fois-ci, ça nous a retiré la faim. Alors, toi, tu vas aller là-bas. Toi, tu vas aller là-bas. Ok, on est parti. Normalement, il n'y a pas d'alien là. On n'a pas dormi. J'ai encore du café. J'ai combien de café? J'ai plus de café. J'ai quoi ça? C'est quoi? La soupe. Pourquoi j'ai ignoré celui-là? C'est quoi celui-là? Ah, c'est le bâtiment. Tu vas venir là plutôt. Ah, oh, purée, il va falloir ouvrir. Elle a le meilleur blouson, donc c'est parfait. Ah, la nourriture. Il y aura peut-être quelque chose pour cuisiner. Ça serait cool. Ah, la nourriture pourrie, ça m'arrange pas trop. On aura bientôt plus de chauffage. Elle est toujours en train d'ouvrir la porte. Et là, j'ai rien pour ouvrir et j'ai rien d'autre. Ok, on va devoir attendre qu'elle finisse. Ok, va ramasser. Et toi? Et là également, il y a beaucoup moins de ressources. Hein. Vous voyez, on est déjà assez bas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle a été blessée. Est-ce que j'ai un bandage? J'ai un bandage. Ok, bah je la laisse finir et on va lui donner le bandage. Voilà. Par chance, j'ai suffisamment de médicaments. Dessus. Quoi, qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est bon. Ok, ça clignotait rouge encore, je me demandais pourquoi. Va dedans. Rien de bon. Rien à faire. Ok, bah tu pars maintenant ici. On va nous trouver des médicaments. Un objet alien. Ah. J'ai pas trop envie de le toucher, mais bon.
on a plus faim. Vous voyez, en fait, je devrais attendre plus. Purée, deux portes à ouvrir. Je devrais attendre plus, en fait, vous voyez, avant de utiliser les objets aliens. Bon, après, si jamais je suis affamé et que j'ai froid et que je suis fatigué et que je vais là-bas et que, au final, ça me donne pas de boost, mais que ça me... au contraire, ça me donne un effet négatif. Là, ça serait grave, par contre. Ici, il n'y a pas de... Ok, il n'y a pas de chauffage. Donc, je vais devoir... C'est un grand endroit. Et là, ok, la chaudière est tombée en panne. Alors là, je vais devoir chauffer parce que c'est un grand endroit à fouiller. Et j'aimerais bien avoir une sorte de mini-base où je pourrais revenir. Ah, purée. À la main. Ça va mettre du temps. Il risque de se blesser. On va tenter. On va voir. Oui. Donc là, on a fini. Là-bas. Ok, là où il y a les lits. Purée, ça va être long. Sans outils, il me faudrait... Est-ce que j'aurais pas un endroit où je pourrais réparer? Ça, je sais pas. C'est une armurerie, mais est-ce que je peux réparer? Ah, peut-être là, je peux réparer. Regardons. Non, il n'y avait rien pour réparer. Pourtant... Oula. Ah, ok, le générateur est cassé. Et là, c'est cassé, on va devoir les réparer. Bon bah, je vais... Lui me fait économiser des choses. Ah bah tiens, tu vas le mettre. Me fait économiser des choses, mais on va les allumer aux deux endroits. Comme ça, ça va être fait. Et là, j'aurai besoin de façon de cet endroit pour dormir. Hop, purée. De chaleur. Voilà, c'est réparé. Tu vas mettre du bois. Finalement, il met autant de bois qu'elle. J'ai combien de bois? J'ai encore du carburant. J'ai beaucoup de bois, donc je peux me lâcher sur le bois. Voilà, donc je vais pas mettre de l'électricité ici. Je vais juste chauffer pour lui. Voilà. Ça me moque, j'ai pas ce qu'il me faut pour là-bas. Puis il va falloir ouvrir. Chez elle, c'est bon. Ah oui, d'accord. On va mettre du charbon. Ouais, lui, avec elle, il faut mettre 4 de bois. Mais avec le gars, j'aurais pu juste en mettre 2. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? La chaleur? La fenêtre. Trop tard, il faut qu'il finisse. La fenêtre ouverte. Ouais, là-bas, la fenêtre ouverte également. Viens là. Il va falloir la réparer. Oh purée, ouais, les nouvelles choses. Peut-être que ça ne sert à rien. Continue. Ah, et lui il a cassé son outil. Est-ce que t'as réussi à fermer? T'as pas réussi à fermer. Ok, et est-ce que je peux le réparer différemment avec celui-là? On va tester. J'aurais dû le faire repartir, récupérer la chaleur en fait. Ok, on est bon. Lui donner à manger. En fait, tant que j'ai pas réparé toutes les fenêtres, je suis en danger ici. Ok, c'est un endroit vraiment froid. Je retourne là. Est-ce que la chaleur va augmenter? Ah, fenêtre. Ok, on est bon. Là, il y a également la chaleur qui se perd. Est-ce que tu peux retourner fouiller maintenant?
Ok, il y a juste à la fermer, il n'y a pas à la réparer. On est bon. Et la chaleur va remonter dans cet endroit. Alors allons voir si j'ai pas oublié des choses à ramasser. À pistolet, génial. Ok. Non, le générateur on veut pas. Je veux pas non plus. Toi, tu peux pas me servir pour réparer quelque chose. Et là, des médicaments. Ok. Elle commence à avoir être fatiguée. Bah, tu vas dormir et j'ai un peu peur du coup à cause des aliens. Mais bon, il a également besoin de dormir. Du coup, tu vas aller là où elle est. On est parti. Bon, la sortie est où? La sortie, elle est là-haut et il y a deux portes. Donc ça m'inquiète un peu. Ok, ça suffit le sommeil. On veut pas attirer les aliens non plus. À ton tour. Ça va être lui qui va s'en occuper. Alors elle, tu vas aller là-bas. On va courir et on va venir. La sortie elle est là. La sortie est là-bas, ok. Tu vas venir là et on va voir ce qui va être demandé. Toi, tu vas te réveiller, ça suffit, je veux pas d'aliens. Ok, va fouiller là-bas. Et réveille-toi. Toi, t'as fini. Rien de bon, on va t'envoyer, là-bas. Alors qu'est-ce qu'ils vont me dire? Il faut l'ouvrir. Ah, j'ai chopé à nouveau de ça. Je peux utiliser le pistolet, on va utiliser toi. Pas avec le pistolet, avec toi. Allez, elle a fini. On rentre dedans. D'accord. La porte s'ouvre automatiquement quand un véhicule est sur la plateforme. Ok, on va devoir ramener des sacs depuis la zone de stockage. On va devoir les ramener ici. Ok, alors, du coup, c'est quoi la zone de stockage? C'est là-bas? Ça serait là-bas, je suppose? Ok, tu vas y aller. Côté chaleur, t'es encore ok. Lui, ouais, j'ai pas encore besoin de le faire revenir. Le pull sert vraiment, j'en ai pas chopé un autre de mieux, non. Ok. Ah. Ramasse. Elle va là-bas. Ok, encore un peu de chemin. Ouh, une hache, génial. Alors toi tu vas utiliser ça. Comme il n'y a pas de lumière, je dois visuellement regarder dans la direction de l'item pour voir si je peux l'activer ou pas. Alors ne casse pas, vos bouts. Génial. Ouh, il a cassé juste quand j'ai réussi, c'est cool. Alors, là-dedans. Boîte à outils. Là-haut. Pour avoir du bois de là, mais on n'en a pas besoin là à l'instant. Ici, alors, là-bas. Toi. Des pièges pour anomalie. On pourra peut-être tester les pièges pour anomalie, effectivement, si on arrive à un moment où... ils arrivent à un autre pistolet.
simplement, regardez. Ok, tu vas là-bas. Parfait. Encore un piège, bah dis donc. Non, là, elle va devoir rentrer à un endroit où il y a de la chaleur. Je crois que c'est ici. Ouais, tu vas devoir rentrer ici. Là, tu fais une action, non, ça suffit. Voilà, tu viens là. Toi. Ah, et là, on va pouvoir réparer des outils. Je veux réparer la pelle. Donc, on a ce qu'il nous faut. C'est en train d'être réparé. J'ai un toolkit. Ok. Marteau. On va réparer tout ce qu'on peut, hein. Comme ça, ce sera fait. Ah, il manque. Et ça, comment ça fonctionne? Hmm. On peut pas réparer cet outil. Bon. Pas mal. Tu vas là-bas. Elle. Elle arrive, elle arrive. Ah, toi, qu'est-ce que t'as? Oh, toi, t'as froid. Ok, est-ce que t'as quelque chose de chaud à manger? Tu n'as rien. Alors, tu vas vite là. Même pas. Tu vas tout de suite là. Elle. Tu vas dormir un petit peu dans la chambre avec les aliens. Et lui va prendre le relais. Et vas-y, cours, cours, cours. Et j'ai rien à cuisiner hein, pour le moment. Faudra aller là-bas pour voir si on pourra débloquer les choses à cuire. Plutôt une... un four ou autre chose. Une gazinière. Oh purée, ok. Premier alien. Ok, bah, tu vas arrêter de dormir. Et première chose, tu vas remettre du carburant. Ok, et toi tu vas remettre du chauffage. Parce que là ils peuvent rentrer dans la baraque. Et ça c'est quelque chose qu'on veut pas du tout. Vite, vite. Voilà. Tu viens là, et là il va ressortir, et on va tenter de mettre le piège pour voir comment ça fonctionne. Mais je vais te faire... déjà, on va chauffer, puis je vais te faire... Ouais, ouais. Alors, comment ça fonctionne? Pour utiliser cette chose, place-la sur le sol. Bon, on va tester. Là, elle est posée. Alors, le bouton est rouge. Hmm. À mon avis, il faut peut-être la laisser. Ok. Bon, on va voir. Ben, lui va dormir. Et comme il va dormir, ça va peut-être en attirer de nouvelles. On va voir ça. Mettre du charbon, on va en avoir besoin. Puis après, on va aller à la cantine. Ok, alors, viens là, viens là. Pourquoi tu rentres dedans? Tire-lui dessus. Je crois que je l'ai tué. Ok, on a pu la tuer. Génial. Avec la... Mais par contre, elle a complètement ignoré notre piège. Alors, le piège n'a pas l'air fameux comme, comme système. Mais bon. Du coup, bah, tu vas monter côté électricité. On est bon. Toi, tu vas aller là où est-ce qu'on est déjà allé là-bas? Ouais, mais on n'avait pas le temps de finir, je crois. Ok, tu y retournes. Elle est encore en train de nettoyer l'entrée. J'espère que la porte n'est pas bloquée derrière. Ouais, c'est bon. La porte est fermée. On va utiliser notre outil hein, pour l'ouvrir rapidement. J'ai encore une balle de pistolet.
Vas-y, avec ça. Elle est là ouverte. Qu'est-ce que nous avons? Du bois, on va le prendre. Fenêtre fermée. Ok, rien de particulier. On va pas alimenter en énergie le générateur et en bois la chaudière. C'est pas la peine. On les garde pour notre endroit à nous là-bas. On va pas gâcher nos ressources. Là-bas. À toi. Ici, la nourriture. On va l'ouvrir avec le pied de biche. On a des planches. Une autre porte fermée. Bah, à nouveau le pied de biche. Je vais finir par le casser, lui, si ça continue. Ah, nourriture, nourriture. Et on va pouvoir cuisiner. Je vais lui faire un café, comme ça, elle va pouvoir le boire là-bas et continuer à travailler sans tomber malade. Du coup. Réfrigérateur. Je me demande si on a vraiment besoin dans un endroit comme ça. Mais bon. Je suppose si on mettait la nourriture à l'extérieur, ça pourrait attirer les loups et tout ça. Alors, le café en premier. Une pelle. Ok, on a l'impression que quelque chose de mauvais va se passer. J'ignore où. On a gâché le café, zut. Bon, on va faire une soupe chaude pour te réchauffer. Et lui va également avoir besoin de se chauffer, bah avant elle-même, donc ouais, je compte sur elle. Ok, tu continues. Patate chaude. Toi, je te laisse finir et tu vas manger, manger, manger. Qu'est-ce que j'avais fait de chaud? Non, ça s'est pas chauffé. Soupe chaude, voilà, c'était ça. Ok, il se sent déjà mieux. Maintenant, toi, tu vas manger. Tac. À ton tour. C'est un petit peu dommage, je trouve que le gameplay ne se renouvelle pas énormément. On fait beaucoup la même chose, vous voyez, de map en map. Un petit peu dommage. Alors on peut réparer le lit mais on va pas le faire. Ok, bah j'ai fini ce qu'il y a là. Et du coup bah tu vas revenir te réchauffer un petit peu là-bas parce que malgré que tu aies mangé, je pense pas que tu aies assez pour la suite. Alors elle continue à nous faire à manger. Là. Voilà. Tac. Lui, il y va lentement. Ouais, quand ils sont dans les maisons, ils sont vraiment loin. Là, c'est leur compétence marché qui rentre en jeu. Et lui, je crois qu'il a un. Et elle, je crois qu'elle a deux, la fille. Donc, voilà. Ils sont pas rapides, quoi, dedans. Bon. Là-haut, on est encore bon. On va dormir un petit peu. Juste un petit peu. Elle, là, ta fille. Non, il reste encore un à cuisiner. Et elle va rentrer. Et... ouais, il y a encore d'autres endroits à fouiller par contre avant. Ok, ça suffit. Oui, il y a une anomalie pas loin. Mais j'étais sûr de lui avoir dit d'arrêter. Il ignore encore le piège. Alors. Cette histoire. Alors, je vais m'éloigner de l'anomalie. Elle, est-ce qu'on a quelque chose pour nous? Non. Non et non. Alors, tu vas rentrer également pour te réchauffer. Ici. On va voir si on peut pas tuer l'anomalie sur le passage.
Donc elle perd des points de vie. Donc maintenant les anomalies ne restent pas indéfiniment, contrairement à avant. Ouais, tu t'inquiètes, je vois. Ok, tu vas dormir. On va mettre un piège ici, on va voir. Alors je veux juste relire l'inscription. Allez, viens vers moi, viens vers moi. Non, ça ne fait rien du tout. Donc là, elle n'est pas activée, elle est juste sur le sol. Une autre. Une autre. Ok. Bon, tu vas te réveiller pour pas en attirer d'autres. Et oui. Et je sais pas comment les utiliser. C'est pas grave. Maintenant, on va devoir foncer là-haut. Pas grave s'ils nous suivent. Go. Le dernier bâtiment à fouiller. Et on y va à deux. Ouh, et il n'y a plus d'électricité ici. Donc quand je reviendrai, on va être en situation délicate. Allez-y, courez, courez, courez. Ouh, ils nous poursuivent, ils nous poursuivent. Oh là là, j'aurais peut-être dû attendre qu'ils disparaissent. Et là, il y avait une autre pièce que j'avais pas eu le temps de fouiller. Je reviendrai dessus. Pourquoi tu vas dedans? Avec un peu de chance, ils vont pas nous suivre en haut. Ah, si, ils nous suivent, vite. Donc toi, voilà, vite. Et toi, tu vas essayer de la tirer ailleurs. Non! Ok. Ok, elle est morte. On va réparer la porte. Ok. Le chauffage est où? Allez, tente de te réchauffer avec lui. Elle a besoin de chaleur également. Ok, il est plus fatigué, mais voilà. Alors sinon, je leur donnerai à manger. Ah, chaudière, chaudière, ici. Vas-y. On va faire de cette base, cet endroit, notre base temporaire. Donc on va faire tout ce qu'il nous faut. La lumière, de la chaleur. Voilà, parfait. Bon. On va réparer les outils cassés. Toi, je peux pas te réparer. Toi, j'ai pas ce qu'il me faut. J'ai pas ce qu'il me faut. Bon, bah, tant pis. Est-ce que j'ai des choses à ramasser? Non. Ouh. La chaleur va pas durer longtemps. Pourquoi? Il y a une fenêtre là-bas. La chaleur remonte. C'est fait. Elle va fouiller là. Lui, il a pas besoin de rester ici. Petit tabouret là-bas, non. Et je vois pas le sac qu'il mentionne. Il parle d'aller le chercher au stockage. Alors, ce serait peut-être celui-là. Il reste un endroit à fouiller. Ouais, toi, tu vas pouvoir y aller. Côté chaleur, tu es remonté. Elle également, mais on y va. À deux. Dommage que du coup cette zone j'ai remis de l'énergie pour rien en fait. Je pensais y rester plus longtemps. Mais il n'y avait pas grand chose à faire. Alors, est-ce que là il y aura le sac? Et on en est à 42 minutes passées de vidéo, donc je vais devoir bientôt m'arrêter. Pas rentrer dedans. Ah, les sacs, les voilà. Les voici. Parfait, est-ce qu'on a besoin d'un deuxième? Ah, c'est juste des... D'accord, juste des patates, en fait. J'ai pas eu le sac. Zut. Je peux récupérer...
récupérer du bois. Sec. Dommage, dommage. Est-ce qu'il considérerait cet endroit-là comme une zone de stockage ou celui-ci? On va y aller. Et on va voir s'il n'y avait pas quelque chose que je ne pouvais pas ramasser parce que j'avais pas encore la quête. On y retourne et puis on va s'arrêter sur ça quoi qu'il arrive pour cet épisode. Je suis un peu déçu au final. Hein. La démo avait vraiment du potentiel, mais en fait le reste du jeu continue vraiment à être plus de la même chose plutôt qu'avoir un gameplay évolutif. Donc oui, j'ai pu réparer des choses. Il y a les fenêtres, la chaleur, tout ça qui est géré bien. Enfin, je veux dire les fenêtres ouvertes à surveiller, tout ça. Donc il y a quand même un petit peu de nouvelles choses, mais rien de flagrant, et en fait on fait vraiment tout le temps la même chose, je trouve. C'est ce qui me déçoit un petit peu. Donc je vais pas continuer sur un autre épisode, on va s'arrêter sur celui-là, donc je vais le faire un petit peu plus long s'il le faut, juste pour vérifier aux deux autres endroits si je trouve pas effectivement mes sacs pour la quête. Alors, tac tac, non. On va faire le tour. Ah, là-bas peut-être. Voilà, toi. On fouille à nouveau, on a trouvé des munitions avec elle. Tu vas ouvrir la porte avec le flingue. Allez, tire sur le verrou. Pow ! C'est une très mauvaise idée de faire ça, les gars. Ouverte, on va la fermer, mais bon, il n'y a pas de chaleur dedans. Toi, j'ai l'impression que c'est là l'entrepôt. Vous voyez, il y a une brouette, il y a d'autres trucs. Et finalement, elle est là froide. Donc, je vais devoir te faire revenir là. Et je suis déçu, je n'ai pas trouvé le sac, le sac en question avec elle. Et bon, deuxième tentative avec lui. Allez, on va mettre carburant, comme ça je vais pouvoir voir la base complète. À l'intérieur du bâtiment complet. Ouh, après c'est rouge là-bas. Mais non, il n'y a pas. Dommage. On va nous remettre du bois ou du charbon. Je vérifie, je ne vois vraiment pas le sac en question. Ah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle voit quelque chose de brillant dans la fournaise. On va essayer de voir ce que c'est. Ah zut! Et du coup on s'est blessé bien entendu parce que bah, le lancer de dés était pas en ma faveur. Alors tu vas te soigner, alors tu vas arrêter ça. Et tu vas te soigner. Voilà. Et on va donc s'arrêter là. Je trouve que le jeu a du potentiel, qu'il est sympathique. C'est un bon jeu sans être un excellent jeu. Malheureusement, le gameplay n'a pas assez de profondeur, je trouve. On fait trop la même chose de map en map. Il n'y a pas assez de renouvellement du gameplay. Bon, moi, j'en ai parlé. Jouer à la démo suffit pour voir vraiment ce que le jeu vaut. Et si vous avez fait la démo, vous avez fait 90% de ce que vous allez faire dans le reste du jeu. Donc, c'est vraiment dommage qu'un jeu avec un tel potentiel nous offre juste une version sympathique, hein, au final, plutôt qu'un très bon jeu, là où on pourrait passer de nombreuses nuits. Là, en tout cas, je suis satisfait, je ne reviendrai pas personnellement sur le jeu. Bien entendu, le jeu n'est pas mauvais, donc si ce que vous voyez là vous plaît, eh bien, n'hésitez pas, vous pouvez vous lancer, du moment que vous n'avez pas de problème à refaire la même chose, hein, donc de map en map. Voilà, merci à vous, et je vous dis à bientôt, bye bye.